La flamme sur Winamax TV, votre rendez-vous olympique avec des très jolis garçons aujourd'hui, un plateau de BG. Et je parle pas de moi, je parle de vous, bien entendu. Ah bah, s'il faut te mettre dedans. Okay. Non. Sinon, tu retires tout de suite cette qualification. Ah non, mais Tiziani, quand même. Non, on est ensemble. L'esthète. Non, on est ensemble. Quand on est ensemble, on est tous ensemble. C'est comme ça, c'est le sport, c'est la notion d'équipe, d'esprit d'équipe. Bon, soit on est tous des BG, soit on est tous des lambda. Un autre qualificatif. Un beau plateau de connards, du coup. Non, ça marche pas. Pourquoi tout de suite? Je sais pas. T'as l'image de notre société. Les extrêmes. Moins de nuances. C'est dommage. Ça te ressemble pas. Pourtant, au niveau politique, je suis pas dans les extrêmes. Je le découvre. Je suis plutôt... Plutôt macroniste. Ah non, pas du tout. C'était pas dans les extrêmes. Au milieu, il y a plus grand-chose. Hein, là. Non, moi, je suis pas trop politique, déjà. Mais bon, on n'est pas là pour parler politique. Clément, le retour. Des années qu'on ne l'a pas vu. Ouais. Bonjour les Winami, ça fait un plaisir de vous revoir. Bon, ça c'est pour les anciens de Winamax TV, ils connaissent très bien Clémentino, le trader italien qui fait tomber toutes les femmes et toutes les cotes. Plus les cotes que les femmes. Ouais. Non, mais... pas. Quand même. Non, mais ça dépend des périodes. Ouais. Ça dépend de l'heure de la journée, quoi. Ouais. En gros. Bon, j'espère que vous allez bien dans le chat, on vous lit, on vous suit. Sur YouTube, mettez un petit like pour l'émission, c'est important pour nous. Sur Twitch également, et puis sur Winamax TV, tiens, on va saluer Robin 92, Loïc Meringue, voilà, Duffman, les fidèles, ils sont là. Watcher, Duffman 87, PQP, bien entendu, qui ont tous suivi, j'imagine, le Grand Prix de Formule 1. Dont on ne va pas parler. Une petite parenthèse. À part si tu veux faire On fait une petite parenthèse. Une fausse ouverture sur la Formule 1. Une fausse ouverture. C'est pas tous les jours quand même qu'un Français gagne un Grand Prix. Cocorico, victoire d'Esteban Ocon, incroyable. Après Pierre Gasly, la saison dernière. Il y a une nouvelle victoire française. C'est beau. Et sur deux circuits en plus historiques, hein, Monza pour Gasly. Là, c'est Budapest qui est aussi un circuit qui fait partie des circuits classiques du championnat du monde. Quelle course. On a vu plein de choses assez incroyables. Bottas qui a tout cassé. Un strike de Bottas, une ligne de départ avec un seul pilote, des stratégies, des dépassements. Alonso qui nous a régalé. Vettel incroyable. Enfin, franchement, qui a dit que la F1 c'était chiant? Est-ce que vous saviez la cote de Ocon avant le Grand Prix? Allez, il y en a plusieurs qui l'ont misé. 30. Je te demande pas parce que toi tu connais la réponse. 30. Quoi? 30. Clément, au-dessus, eh oui, tu la connais la cote. 500. C'était 500. 500 la cote. Wow. Et il y en a plusieurs qui l'ont misé, hein. Je crois qu'il y a eu, une centaine d'euros de misé. Au début, c'est ceux qui aiment bien les cotes Cocorico. En fait, ouais. Un peu pour plusieurs qui ont mis un peu. Pour rêver un peu. Donc on sait non, mais tu vois, je me mets à la place de, par exemple, le supporter d'Esteban Ocon, qui, il y a 21 courses dans la saison. Il se dit, à chaque course, allez, je mets 1 euro. Toutes les semaines sur Ocon parce que c'est mon chouchou. Je sais que je vais perdre à chaque fois, mais voilà. Et là, ce jour-là, eh ben, il prend 500. Et en plus, il est heureux. Par contre, c'est un coup, tu peux te retrouver aussi à parier pendant 10 ans et puis sans rien gagner. Oui, c'est vrai. Aussi le risque. Hein. Oui, c'est le risque. Après, souvent, les pilotes qui ne gagnent pas, ils ne restent pas si longtemps que ça sur la grille. Ouais. Donc, généralement, bon, peut-être qu'il va perdre de l'argent pendant 5 ou 6 ans, mais c'est pour le fun. Quand tu mets un euro comme ça, c'est ton côté supporter. Mais franchement, bravo à lui. Hein, on l'a mis en avant, c'est l'A77 sur le compte Twitter Pole Position. Abonnez-vous d'ailleurs si vous êtes sur Twitter. PQP, oui, quelqu'un a mis 10 euros sur Ocon, même plusieurs personnes. Hein. J'ai mis un pseudo, il y en avait 2 ou 3 hein, qui ont mis 10 euros. Ça, c'était la bonne opération. Puis, un grand bravo, je trouve, à l'équipe. Pour moi, en fait, c'est plus la victoire de l'écurie Alpine, puisqu'on a vu la défense exceptionnelle d'Alonso sur Hamilton qui a permis finalement à Ocon de gagner. Hein. C'est une victoire à deux, là. Et puis, l'arrêt qu'ils ne devaient pas louper, qu'ils n'ont pas loupé aussi. C'est vrai. Un arrêt à 2 secondes 3, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et si tu ressors, allez, même une demi-seconde plus loin, là, tu peux te faire, je crois, tu peux te prendre l'undercut par Vettel qui est sorti un tour avant. Donc... C'est vrai, t'as raison. Beau travail d'équipe. Très, très beau travail d'équipe. On reviendra dessus dans notre émission, Pole Position. Bah ouais, c'est la travestival. À quand l'after Formule 1, Kinshu, là? Envoyez des mails. Non, mais c'est bien beau de faire le before, les canifs, c'est bien. Envoyez des mails. Mais là, on aura envie, je suis sûr que les Winamis, c'est pareil, de débriefer cette course incroyable. Et comme il y a de plus en plus souvent des courses incroyables, et est-ce qu'un petit after Pole Position? Non, t'as raison. Non? Ça a plus de valeur, ça a plus d'intérêt. Envoyez un mail au patron de Winamax. Mais si, envoyez pour plus d'émissions de Formule 1.
Voilà, moi je suis pour. T'es pour ? Ah bah bien sûr. Voilà. Je suis presque pour ta paroisse. Allez, le programme de La Flamme, puisqu'on va parler JO, bien entendu, c'est vraiment une journée en or pour les Français, avec la victoire d'Ocon en Formule 1, mais également sur le fleuret par équipe, 5e médaille d'or pour la délégation tricolore. Et à noter également la belle médaille d'argent de Florent Manaudou, c'était cette nuit. Je la regarde en direct. Ouais. Ça y est, j'ai pris le pli, je me couche à 6h du mat. T'es le fuseau, c'est sur le fuseau horaire de Tokyo. Sur le fuseau horaire de Tokyo. Ouais. Mais t'aurais dû te mettre dessus dès le début, parce que là, t'arrives dessus un peu tard. Et dans une semaine... Le problème, c'est que c'est fuseau horaire, puis je bois des fusées, donc du coup, je suis dans un état en fin de, en fin de soirée, c'est compliqué. Ouais. Je sais pas ce que c'est, une fusée. Ah, des fusées, bon. D'alcool, quoi. Ah, d'accord. Voilà. J'ai cru que c'était... Il y avait des grosses cotes boostées fleurées. Il y avait des cotes boostées qui sont passées aussi. Je crois qu'il y avait le podium de Florent Manaudou. Il y a eu plusieurs cotes boostées. Le fleuret de 1,50 à 2, ouais. Ça en a passé. Donc, non, c'était aussi une bonne journée pour les parieurs. Ouais, j'imagine. Dites-nous si vous avez gagné un peu d'argent. Dès que les Français gagnent, d'habitude, c'est une bonne journée. Donc, On va revenir là-dessus. On parlera du saut en longueur. C'est, selon moi, c'est quand même l'une des épreuves reines des Jeux Olympiques. Et quand on pense au JO, dans le top 10 des disciplines, forcément, il y a le saut en longueur qui revient. Oui, surtout dans, dans l'athlétisme. Eh ouais, en athlète, bien entendu. On regardera les cotes. On saute sur qui ? Sur quel sauteur, j'allais dire, non ? Sur comment on appelle les... Bah, les sauteurs. Les sauteurs, on dit. Ouais, j'ai dit pas de bêtises. Ouais. Sur quel sauteur ? Non, c'est que c'est bizarre comme nom. On mise sur quel sauteur ? Ouais, on saute sur quel sauteur ? On saute sur quelle cote ? C'est mieux. Ça a plus de sens, sinon c'est... On découvrira d'ailleurs à l'occasion le pari du parieur masqué qui va peut-être vous régaler, je l'espère, sur ce saut en longueur. Les Français à suivre également. On verra le programme en fin d'émission avec notamment du canoë-kayak. Il y a pas mal d'athlètes engagés dans cette discipline, mais pas que, il y a des anneaux aussi. Peut-être une chance de médaille. On verra ça en fin d'émission. Plutôt deux fois qu'une même. Eh oui. Pour moi, c'est peut-être la plus grosse chance de médaille dans la journée qui vient. Et de la lutte aussi. Et de la lutte. Eh oui, il y a pas mal de Français à suivre. Durant les prochaines heures, on finira par un quiz. Les amis, ça sera pour gagner des free bets. Vous avez vu le thème spécial. Canoë, kayak, ça va ramer du côté de Tidani, peut-être. Et pour faire le point sur les épreuves inattendues que tu nous proposes en quiz à chaque fois, eh ben, le canoë, j'en ai testé. J'en ai testé. Non, mais t'as tout fait, toi. Non, mais. Parce qu'il faut savoir qu'il a fait de l'aviron, il a fait de la bouche. Non, j'ai essayé. Du tir à l'arc. Déjà fait. Tir à l'arc, j'avais essayé, t'as fait un quiz dessus. Aviron aussi. Ouais. C'est laquelle où j'avais pas fait ? Judo, peut-être ? Non, mais t'avais pas fait de quiz sur le judo. Je sais plus. C'était. Non, mais bref, en tout cas, je remarque qu'à chaque fois, tu fais des quiz sur des. Le skate, voilà. Voilà, c'est le skate. Le skate. Ouais. Sur des disciplines que tu connais. Que j'ai essayé. T'as testé, en tout cas. Quand j'étais petit. C'est normal quand on est jeune qu'on a la chance d'aller en colonie de vacances ou des choses comme ça. T'as des sports, toi, Clément, que t'as fait comme ça, des sports qui sont au JO, que t'as fait dans ta jeunesse, peut-être ? Fais-moi pas les sports traditionnels, quoi, donc pas des sports trop originaux. Donc, la drague, c'est pas au JO. Ah merde, donc non, c'est pas comptabilisé. Peut-être bientôt. Okay. Hein. Peut-être bientôt, pourquoi pas, avec tout ce qu'on voit qu'aux nouvelles disciplines. Un petit freebet à gagner aussi pour maintenant, pour nos amis. Ah oui, régale nos amis du chat. On va récompenser, ça se passe sur winamax.tv pour répondre. Vous tapez point d'exclamation quiz, Q-I-Z, tout attaché, un espace. La réponse à cette question. Quel nageur a terminé devant Florent Manaudou en finale du 50 mètres nage libre ? Vous l'avez peut-être suivi cette nuit. Ah là, c'est vraiment la question TF1. Question TF1, sauf que je touche à rien dessus. En quelle couleur joue la France ? En bleu ou en jaune ? C'est un nageur dont on a déjà parlé dans cette émission. Ouais, et on risque d'en parler encore un petit peu. Ouais. Et si on fait la flamme dans 3 ans, je pense qu'on en reparlera encore. Mmh. Plutôt un bon nageur. Allez, on perd pas de temps, on démarre avec le débrief, ça se passe sur le podium. Cinquième. Henry, il a raison, c'est le saut à la perche que j'avais pas testé. Et t'avais fait un quiz. On avait fait un quiz sur le saut à la perche ? Bah oui, c'est le quiz où j'ai pris une roue de bicyclette, je crois. 6-0 ? Ah oui, c'est possible. Il me semble. Bien vu, Ben Henry. Cinquième médaille d'or pour la France avec le fleuret par équipe. Vous avez peut-être suivi cette finale face aux Russes. Ça m'a fait plaisir. En plus, les Russes qui nous avaient un peu maltraités dernièrement en escrime. Là, il y a une petite revanche de la part de l'équipe masculine de fleuret par équipe puisqu'ils ont déroulé en finale les Russes. Oui, avec une joie qui vient un peu contrebalancer la déception de l'épée où il y avait eu une défaite en finale quelques heures auparavant.
Première médaille pour le fleuret par équipe depuis Sydney 2000. Donc c'est quand même, ça faisait 21 ans de disette. Une compétition dans laquelle les Bleus ont eu, on va dire, plusieurs difficultés. La principale était quand même en demi-finale. Ils ont bien démarré contre l'Égypte. Et ensuite, contre le Japon, ça a été un petit peu plus tendu. Ils ont mené 40-32. On se disait que bah, ça y est, ils étaient lancés et que ça allait être comment dire, du tout cuit. Et finalement, on s'en sort de justesse, 45-43. Et derrière, bah, une finale maîtrisée beaucoup plus contre la Russie. On va regarder tiens, ce qu'a dit Enzo Lefort après la finale, justement, où il expliquait qu'il ne voulait rien lâcher contre les Russes. Je ne sais pas si on a la déclaration, si on peut l'afficher en régie. Ouais. Si la régie est avec nous. Si, voilà. L'embête, on remercie bien sûr Loïc et Alex. Le traumatisme de Rio était bien présent dans nos têtes, on ne voulait lâcher aucune touche, on était bien conscient de la menace que représentait cette équipe russe. Bah, la menace, on ne l'a pas trop vue, Clément, du coup. Non, c'était assez rapide. On va tout de suite à 10-5, donc avec Erwan Lepecho et Julien Martyr. Donc c'était assez... Même les côtes en live... Elles ont tout de suite assez chuté. Les Français étaient favoris, il faut le dire. Oui, ils étaient à 1,50. Donc forcément, disons que la proba qu'on gagne était assez conséquente. Mais bon, c'est un 1,50 qui est passé assez facile. Voilà, quand tu vois à peu près comment s'est déroulée la rencontre, c'était plutôt une cote à 1,20. Donc j'aurais dit, voilà. Donc il n'y a pas... C'était, voilà, je pensais que ça aurait été un peu plus tendu au début. Et on a pris les voiles... assez rapidement, donc ouais, non, et puis tu passais la citation d'Enzo Lefort, ça a été quand même le grand bonhomme de cette finale, hein. Il a fait un très très gros boulot. Mention spéciale aussi pour Erwan Lepechou, 39 ans, mine de rien, à qui manquait que ce titre par équipe. Ces derniers JO. Hein. Parce que derniers JO. En 2016, à Rio, ils font finale, ils perdent, donc il y a l'argent. Lui, de son côté, il avait déjà 4 titres mondiaux par équipe, 3 titres européens. Donc, il lui manquait vraiment que cette médaille d'or, on va dire, par équipe sur les Jeux Olympiques. Et là, donc, il peut tirer sa révérence en ayant le sentiment du devoir accompli. Belle médaille d'or, en tout cas, pour l'équipe de France, la 5e. Parvenu, on n'était pas ensemble hier, mais c'était une belle journée à ton grand désarroi d'ailleurs, Tidiani. On va pas revenir sur tout ce qu'on a gagné, mais notamment le judo par équipe. C'était une belle journée pour l'équipe de France. Un petit mot très rapidement pour résumer la journée d'hier. Non, mais en tout cas, sur l'escrime française, 5 médailles rapportées, tu l'as dit. 5 médailles sur les 21 au total, ça commence à peser quand même. Judo plus escrime quand même. Je voyais le commentaire dans le chat justement, il dit sans le judo ni l'escrime, ce serait compliqué. Hein. Bah oui, heureusement que on va dire que ça a été un bon bilan. D'ailleurs, c'est le meilleur bilan de l'escrime depuis Athènes. Athènes où ça avait ramené 6 médailles, là on est à 5 sur les 21 au total, ça fait quand même on n'est pas loin d'un quart des médailles. Et sur les titres olympiques, c'est 2 des 5 médailles d'or françaises qui sont pour le moment dans l'escarcelle. Donc franchement, c'est un super bilan de la part de l'escrime. Et on se dit ça en ayant quand même eu 2-3 déceptions, notamment en individuel. Ouais, le Fort qui s'est rattrapé, justement. Et même Yannick Borel aussi. Donc on a un bon bilan, notamment comme très souvent grâce aux équipes. Autre belle finale, c'était celle de Florent Manaudou dans la nuit. C'était aux alentours de 3h30 du matin, de souvenir. Je sais pas si je m'en souviens encore à ce temps-là. Je crois que c'était même 3h37. Oui, c'était compliqué. Très belle finale remportée par Caleb Dressel. Mais surtout Florent qui se place deuxième. Il faisait partie des favoris pour faire podium, mais ça reste quand même une énorme performance. Oui. Disons que vu la côte, on se l'attendait, donc c'était pas en soi une surprise. Mais en soi... À ces niveaux-là, revenir après des années d'inactivité en natation et revenir et se classer deuxième dans une épreuve reine de natation comme ça, et je dirais pas en détente, mais tu voyais que il y avait que Dressel qui pouvait le battre. Qu'un phénomène Dressel. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé l'image à la fin des deux athlètes qui s'enlacent. Il y avait ce côté vraiment où l'Américain félicite presque Manaudou d'avoir fait deuxième. Ah bah parce qu'il l'a vu très certainement gagner l'or olympique il y a maintenant 8 ans à Londres. Tu vois, donc mine de rien, ça commence à dater. À l'époque, Manaudou, c'était un petit peu la comète. Il avait gagné ce titre un petit peu à la surprise générale. Mais voilà, ça a été une course. Tu l'as bien dit, Clément. Dressel a fait sa course de son côté.
contre le chrono. Et derrière, il y avait les sept autres qui faisaient leur course. Ouais. Et dans la course des terriens, bah, c'est Manodou qui est le premier à toucher. Juste devant le Brésilien Fratus, troisième, à deux petits centièmes. Donc ça a été quand même relativement serré. Derrière, le quatrième est vraiment très, très proche aussi. Voilà, comme tu disais, faut quand même voir d'où vient Florent Manodou. Il y a cette fameuse parenthèse, donc il y a la deuxième place à Rio en 2016. Derrière, il y a la parenthèse handball, 2017 jusqu'à 2019, donc quand même deux ans où il sort du circuit. Il faut se rendre compte de ce que c'est à ce niveau-là. Hein. Quand on fait une pause de deux ans, on fait souvent bon, le parallèle avec d'autres disciplines où bah, c'est très compliqué. Comme ça, ton corps, il est habitué à certains efforts, à une certaine dépense, à une certaine rigueur. Et là, pendant deux ans, tu fais complètement autre chose. Et puis même dans sa préparation, à la base, Florent Manodou, lui, il était établi en Turquie. Et le Covid a complètement chamboulé en fait sa préparation, puisque du coup, avec tout le durcissement des règles sanitaires et la difficulté pour faire les voyages entre la France et la Turquie, bah, il est reparti s'installer en France pour faire sa préparation là-bas. Et puis la dernière ligne droite qui devait l'amener du coup vers ces Jeux de Tokyo, il y avait quand même des indicateurs qui étaient un petit peu inquiétants. T'avais les championnats d'Europe, seulement cinquième, c'était au mois de mai. Donc c'était pas il y a si longtemps que ça. Finale des championnats de France, il est battu par Maxime Grousset, donc qui avait été une belle surprise pendant ces Jeux, mais enfin qui était normalement censé être derrière. Donc le fait que Manodou comme ça arrive à se remettre au niveau d'une finale olympique et pas seulement d'une finale, mais d'une deuxième place derrière l'ogre Caleb Dressel. Faut quand même mesurer la performance incroyable que c'est. Et puis moi, il y a un truc, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les images à l'arrivée, que j'aime bien dans ce genre d'épreuve. C'est que tu as un énorme favori, comme Dressel, tu l'as dit, Tidiani, qui gagne. Donc lui, il est content, parce qu'il faut quand même assurer tout de même. Et puis derrière, t'as Florent Manodou et puis Fratus, le Brésilien, qui ont gagné cette deuxième course finalement, qui sont contents tous les deux, parce que c'est vrai que des fois on voit des épreuves où t'as des athlètes. C'est pas Christophe Milak, quoi. Ah, mais t'as des épreuves comme ça, des fois, des athlètes qui finissent deuxième, troisième, qui sont pas contents, qu'on le somme, machin truc, de pas gagner, etc. Bah, Milak, voilà. Qui a été champion olympique et qui faisait la tronche parce qu'il avait pas fait le record du monde. Voilà, les mecs, voilà. Là, tout le monde était content, j'aime bien ce genre d'image, c'est mon côté un peu bisounours. Non, mais après, au-delà de ça, Florent. Il faut voir quand même que là, il rentre dans un cercle très fermé, celui des athlètes français qui sont triple médaillés olympiques. Je vais vous faire une petite liste non exhaustive de ceux qui sont dans ce club très fermé. Tu as Jean-François Lamour et Laura Flessel en escrime. Mm-hmm. Tu as David Douillet et Teddy Riner en judo. Tu as Tony Estanguet en canoë. Tu as Mayedine Mekissi en athlétisme. Donc, il y en a quelques autres aussi. Mais je veux dire, t'as, comme ça, c'est un groupe d'une quinzaine d'athlètes, pas plus, qui sur les Jeux ont été capables de remporter trois médailles. Donc, c'est la seule médaille française en natation sur ces JO. C'est pas neutre. Et bravo à Florent Manodou. Autre médaille, c'était sur une épreuve qui est très suivie, le 100 mètres masculin. Même s'il était peut-être un petit peu moins excitant sur le papier que le 100 mètres féminin, ça tu l'avais dit, Tidiani. D'ailleurs, la finale du 100 mètres féminin a été très très accrochée. Triplé jamaïcain. Ouais. Triplé jamaïcain, Hélène Thompson qui bat Shellyanne Fraser. Qui avait le seum d'ailleurs. Bah, qui avait le seum. En même temps, elle jouait pour une place dans l'histoire aux côtés du Shane Bolt, donc c'est... Ah ouais. On peut la comprendre aussi. Bon, tu peux être content pour triplé jamaïcain, voilà. Elle a fait le quatrième meilleur temps de l'histoire il y a deux mois, Shellyanne Fraser. Après, elle avait 5 kilos dans les cheveux aussi. Je pense qu'Hélène Thompson n'était pas loin non plus d'avoir la coupe de cheveux très marrante de Fraser. Victoire italienne. Ouais. Alors ça, c'est incroyable, ça, non? Là, on va te laisser la main. J'aurais jamais dit... Le timing est incroyable. Tu arrives sur le plateau, victoire italienne dans le 100 mètres. Bah, j'aurais jamais dit qu'en 100 mètres, un Italien pourrait gagner un jour. Ouais. Le 100 mètres homme, c'est incroyable. Ça vient, je dis pas de nulle part, parce que c'est quelqu'un qu'en Italie, il était un petit peu connu, commençait à avoir quelques résultats. Et déjà, avec ses IO, c'est là où il a pris vraiment l'essor, parce qu'il fait le record italien dans les batteries. Il fait le record d'Europe en demi-finale, deux fois. Et voilà, c'était une course qui était assez serrée. Ouais. Parce que par rapport aux 100 mètres femmes, il n'y avait pas vraiment de gros favoris qui se détachaient par rapport aux autres. Le 100 mètres femmes, tu avais
deux athlètes. Ouais, c'était un flip. Et Avetalou qui était. Oui, mais voilà, plus pour le podium. Ouais. Quand il pense, t'avais vraiment Shelly-Ann Fraser et Hélène Thompson qui se battaient pour la première place. Mm. Et derrière, t'avais Jackson ah, ouais, et t'avais Daniel, je crois, l'américaine qui était là. Là, c'était ouvert. J'ai oublié son nom. Il y a le chinois qui est sorti de nulle part en demi-finale. Qui a battu le record d'Asie. Qui s'est retrouvé, lui. Il avait une cote à 50 au début. La cote est passée à 50 au début. T'as un athlète qui a fait un faux départ aussi. C'était le britannique. Hughes, ouais, il me semble. D'ailleurs, ça m'a permis de voir que ça avait changé de règle. J'avais omis ce. Ça fait un moment. Je suis pas toute la règle. Tiens, il faut comprendre. Excuse-moi. Ah non, mais oui. Pour moi, t'avais le droit à une seconde chance en fait. Là, c'est genre faux départ, t'es baisé. Bah ouais, mais même on se rappelle de cette image de Bolt, je crois. Je sais pas si c'était pas à Daegu en 2011, si je dis pas de bêtises, où il fait ce faux départ et ça provoque la stupeur. Non, quand je te dis ça fait longtemps, ça doit faire au moins 15 ans que la règle a changé. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que. Honte à moi. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette finale parce que il y a eu beaucoup de surprises déjà même dans les demi-finales avec Bromel qui sort. Avec malheureusement aussi Jimmy Vico qui a pas été capable de faire descendre le chrono et qui n'est pas rentré sur cette finale. Plateau inhabituel, aucun Jamaïcain. Ouais, c'est vrai. Donc ça, on n'y était pas habitué. Deux Africains pour la deuxième fois de suite après Rio. Sept nationalités différentes sur les huit coureurs. Là où on avait pareil d'habitude un peu une petite oligarchie du sprint avec des Américains, des Jamaïcains et derrière. Une, deux, trois places restantes. Là, t'as sept nationalités différentes avec la Chine qui fait une entrée un petit peu tonitruante et inattendue sur cette finale-là. Et à l'arrivée, une grosse surprise parce que Jacobs, mine de rien, 9,80, c'est plus rapide que Bolt il y a 5 ans. Oui, il a du sang américain aussi, je crois. Oui, mais il est parti des États-Unis à 2 ans. Oui. Donc il a le sang américain de son père. Mais il a la culture italienne. Oui. Enfin, à ce niveau-là, faut pas retirer le mérite là. Et franchement, faire tomber deux fois le record d'Europe, 9,84 en demi, 9,80 en finale, premier Européen à remporter le titre olympique depuis 1992. Il a quel âge, Jacobs ? Pardon ? Il a 26 ans. Il a 26 ans, ok. Ouais. Mm. Donc, il y a eu plein de surprises. C'est vrai qu'elle était moins excitante mais sur le papier. Parce que c'était ouvert. Voilà. Tu vois, il y a pas le côté tête d'affiche qu'on avait avec les femmes et auquel le sprint nous avait habitués avec Bolt, avec on a eu comme adversaire Tyson Gay, Johan Blake, ensuite le retour de Justin Gatlin. Là, on a eu quelque chose de complètement ouvert et qui est un petit peu une photographie aussi du sprint aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a Bolt qui a vraiment pris toute la place pendant une décennie. Et là, aujourd'hui, on va voir qui va être capable derrière d'assumer cet héritage. Et il y a une concurrence qui est très, très ouverte. Et ma foi, je pense que c'est excitant, même pour les traders, de faire des cotes. À mon avis, vous devez vous casser peut-être aussi un petit peu plus la tête. J'avoue que ce n'est pas évident, parce que c'est quasi que des flips. Quoi. Tu n'as pas vraiment de grosses références. OK, le Chinois, il fait le record d'Asie. Donc derrière, de 50, ça passe 5,50. Ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment 5,50 ou ça vaut toujours par rapport aux 100 mètres féminins, on l'a coté en 10 secondes. Quoi. Tu savais déjà à peu près comment c'était. Donc le 100 mètres masculin, c'était vraiment, tu avais peut-être un Becker, il met un peu plus favo que les autres. Voilà, d'ailleurs, on a fait la côte boostée sur ça. Ça mange pas de pain en plus. Oui, voilà, bien vu. J'avais préparé. Donc, par contre, j'ai préparé autre chose. Un petit gagnant sur Jacobs. Il y en a eu plusieurs. J'ai vu qu'il y avait une liste, quand même, une grosse liste de barrières. Par contre, 35, c'est au début du tour. Alors, je voulais mettre en avant. Non, mais c'est important de le préciser. Ça, c'était pas avant la finale, c'était au début de la compétition. Il était deuxième avant les finales, non ? Avant les finales, c'était une grosse cote tout de même. C'était une cote à combien ? C'était une cote à 7 ou une cote à... C'était à 5... Alors, avant la finale, c'était à 4,50, pardon. Voilà. 4,50. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont misé. C'est le deuxième favo. Ouais, deuxième. Après, ça veut rien dire parce que c'est très dense. Et c'est descendu à 4,50, comme le précise le chat. Ouais. Mais je voulais mettre en avant la cote à 35 pour dire que vraiment, je vais pas dire qu'il sortait nulle part, l'Italien, mais c'était pas prévu qu'il remporte ce 100 mètres. Non, et puis, il a 26 ans. Alors, il y avait 2-3 indicateurs qui pouvaient laisser penser qu'il faisait partie des sprinteurs qui progressaient.
parce que depuis 2-3 ans, le chrono, il était bloqué au-dessus des 10 secondes. Et là, depuis cette année, c'est redescendu un peu. Il a été champion d'Europe du 60 mètres aussi, ce qui est toujours un indicateur plutôt parlant, parce qu'il y a le côté, le départ, l'explosivité. Donc on sentait que c'était quand même un athlète qui était en train de progresser. Mais de là à l'imaginer, déjà sur une finale olympique, je ne vais pas dire que c'était une surprise, mais presque, mais en plus l'a gagné. T'as quand même, tu l'as dit, il y a Baker, André Degrasse, qui a quand même des références intéressantes, même si là, il refait bronze, il avait fait bronze il y a 3 ans, mais je veux dire, Degrasse, c'était, on l'imaginait comme le successeur de Bolt il y a encore 4 ou 5 ans. Là, aujourd'hui, Jacobs, il a poussé tout le monde. Effectivement. Tiens, au passage, modération, si on peut bannir l'individu néfaste sur Twitch là, qui dit n'importe quoi. J'aime pas trop le racisme. Les gens dans son genre, on va pas citer son pseudo, on ne lui fera pas ce plaisir. On va le ban. D'autres résultats à débrief, on en profite ou pas? Bah oui, parce que mine de rien, en Sportco, on a quelques bonnes nouvelles. Sportco, des chances de médaille, alors globalement, quand même, on n'en parle pas beaucoup, mais au fur et à mesure que la compétition avance, on est différent, on a quand même des pions qui commencent à être passés. Là, on approche de la fin des phases de poule pour tous les scores. Pour tous les Sportco, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, et les Bleus du volet qui passent en quart à l'issue d'un match homérique contre le Brésil, perdu en 5-7, avec notamment un deuxième set assez incroyable qui a duré 50 minutes, qui s'est conclu sur le score de 39-37. C'est assez rare pour être signalé. Mais voilà, les Bleus, ils ont réussi, malgré un bilan négatif, 2 victoires, 3 défaites. Et bah malgré tout, ils sont en quart de finale. Bon, par contre, ils joueront la Pologne. Donc ça, c'est plutôt pas une trop bonne nouvelle, parce que les Polonais, qui ont été surpris lors de leur premier match par l'Iran contre toute attente, derrière, ils ont fait strike, ils ont battu tout le monde. Donc ça va être un quart de finale très compliqué. Mais comme on le dit très souvent, avec eux, on sait jamais. C'est du qui tout double, les handballeurs, les volleyeurs français. Ils peuvent perdre contre n'importe qui et ils peuvent battre n'importe qui. Et si, il y a une performance qu'on a omis. Il a raison, Nico Bix, que vous l'avez peut-être suivi aussi en direct tout à l'heure. Le record du monde, là, en saut, là. La Roras. Ouais, Roras. Incroyable. Exceptionnel, ce saut. Incroyable. Une planche quasi parfaite. Ouais. Et un saut, vraiment, elle a mis un tir par rapport au record du monde. Je sais pas la différence exactement de centimètres. Ah, je crois qu'il y a presque dépassé, il y a plus d'une dizaine de centimètres. Il y avait beaucoup quand même. Il y a plus d'une dizaine de centimètres sur le record du monde. Record du monde vieux de 26 ans, je crois. Mais oui. 17 centimètres, ils nous disent, voilà. Nico BX. Merci pour la précision. Non, c'est. Compétition très intéressante à suivre sur le triple saut féminin. On a vu vraiment des. De très très belles perfs. Moi, j'ai suivi ça notamment sur les derniers sauts, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait aussi ça se bousculait un petit peu sur le stade. Il y avait beaucoup de choses à regarder, mais très très impressionnant et très très aérienne. Franchement, incroyable capacité et aptitude chez les pays américains, sud-américains et d'Amérique centrale à sortir des sauteurs, que ce soit chez les mecs ou chez les filles. Franchement, ils nous sortent toujours des athlètes incroyables, quoi. Ils ont une vraie tradition dans ces sports. Et ça fait plaisir à des parieurs. Je vois LeBron, regarde, qui avait misé sur la cote à 3,50 de Roras. Merci, Winamax. Là, tu l'as bien mérité. Hein. La cote à 3,50, elle est bien rentrée. Pour le coup, tranquille. On va peut-être passer à ce qui se passe à suivre sur la prochaine journée. Et juste pour dire aussi que les handballeurs ont perdu contre la Norvège. Les mecs, ils avaient fait un sans faute jusqu'à présent. C'est vrai. Ils perdent contre la Norvège. Et du coup, ce qui est le plus gênant, c'est qu'il y a eu un peu de casse. Nguessan blessé, Desca blessé. Pour moi, le bilan, il est plus médical que comptable, puisque ça ne change pas grand-chose au destin de la poule. Je crois qu'ils sont premiers de toute façon. Et ils joueront Bahreïn, l'équipe surprise. Plutôt un bon tirage, quand même. En quart de finale. Plutôt bon tirage, ouais. Ouais. Mmh. Bahreïn, qui, on en parlait il y a 2 jours, Viken me disait même qu'ils étaient déjà morts. Mais au final, ils ont réussi à. Ils sont encore là. Ouais, ils ont réussi à arracher, je crois, c'est la 4e place. Allez, on passe aux prochaines heures des JO. Ça se passe avec le main event. Avec la finale du saut en longueur, ce sera peut-être l'épreuve la plus importante, on va le dire, des prochaines heures. Saut en longueur, on n'a pas de Français hein, en finale. Donc, Claude Clément, il y a des Italiens ou pas? Non, même. Je vais regarder la liste. On va regarder la liste. Il y a 12 coureurs engagés, 12 sauteurs. Ah oui, non, il y a Philippe Randazzo, c'est vrai.
Mais bon. Ouais, c'est une pastèque, là, vu comment t'en parles. C'est pas comptabilisé parce qu'on se trouve. Alors, sur qui on peut miser sur. On va peut-être parler du favori, le Cubain, en premier. Juan Miguel Echevarria, 22 ans, avec un record personnel à 8,68. Est-ce qu'il va décrocher l'or, Juan Miguel ? Pendant que je cherche la cote. Il fait partie des favoris. On a, de toute façon, un concours qui risque d'être dense. Il y a l'Américain Harrison, qui lui était engagé par ailleurs sur la longueur. Il a terminé 7e à la longueur. Et dans la liste des outsiders, des prétendants, donc on a Harrison et Echevarria. Et on a aussi le Jamaïcain Gale, champion du monde en titre, et le Grec Tentoglou, qui a la meilleure performance mondiale de l'année. Je suis en train de chercher les cotes. Tac, tac, tac. De la longueur, est-ce que elles sont pas disparues quand même ? Parce qu'il y a eu un petit souci tout à l'heure. J'ai trouvé. On va afficher les trois favoris, tu les as dit, Tidiani, Echevarria, Tentoglou et Harrison. Il y a quand même un bel écart, je trouve, entre Echevarria et le reste du plateau en longueur. Ouais, alors que c'est celui qui n'a pas les références par rapport aux autres. Comme je disais, Tentoglou, meilleure performance mondiale. Harrison qui fait figure un petit peu de comète dans ses jeux, le fait de doubler les disciplines. Et Gaël qui est champion du monde, qui n'est même pas dans les trois premiers. Donc ça montre que ça risque d'être un concours très très ouvert. Au niveau des tricolores, comment on explique qu'on soit plus à la hauteur en longueur ? Tu l'as ? Non. 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 Quoi non ? J'ai pas compris ta question. C'est pas grave. Non mais au niveau des Français, on n'est plus à la hauteur en longueur. Ah d'accord. Ok. Tidani, c'est le week-end. Non, mais fallait le temps. Après cette histoire, c'est dur. Faut te suivre parfois. Non, franchement, je peux pas te dire. Je suis pas assez assidûment le comment dire. Non, mais j'ai l'impression que c'est une discipline. Globalement, en athlé, c'est vrai que je trouve qu'on est un peu à la ramasse depuis plusieurs années, hormis quelques athlètes. Mais c'est vrai qu'en longueur, ça remonte à quand les derniers performeurs en France ? Bah, sur le trip, il y avait Teddy, qui a quand même Teddy Tamgo et était au niveau des records du monde pendant un bon moment et qui malheureusement n'a pas été épargné par les blessures. Tu as eu aussi Benjamin Compaoré, c'était sur le triple aussi, qui s'est rapproché du côté des filles à la longueur. Je crois que c'est Héloïse Le Sueur qui a été au niveau des meilleurs en Europe. Mais tu sais, c'est une discipline qui est tellement exigeante. Pour les articulations, tu vois, il faut arriver à combiner des qualités à la fois de vitesse, de souplesse, tout en sollicitant vraiment comme ça tes chevilles, tes genoux. Donc, tu vois, la blessure, elle est très fréquente sur ces disciplines-là. Donc, c'est difficile d'avoir de la continuité et de progresser et de pouvoir aligner les perfs et. Mais moi, je doute pas que Gani Alouz, qui est quand même à la tête de la direction de technique en athlé, va être capable de pouvoir nous dénicher des nouvelles pépites et qu'on arrivera au jeu, au moins avec des athlètes qui seront capables de, pourquoi pas, aller passer en finale. C'est vrai que ce serait bien d'insuffler comme ça un nouvel élan à l'athlétisme tricolore, un peu à la star du judo ou de l'escrime, où on performe comme ça. C'est vrai qu'il manque un peu quand même d'athlètes en athlétisme, justement, pour vibrer durant ces JO. On va regarder vos pronostics sur cette finale de saut en longueur. Sur qui avez-vous sauté ? Tidiani, Tentoglou, vainqueur à 4,25. C'est vrai que la cote est plutôt sympathique. Oui, par rapport aux références qu'il a et par rapport à la dynamique, je me suis dit que ça pouvait être une cote intéressante. Toi, de ton côté, Clément, t'as été gourmand pour ta première, là ? Cote à 8 avec Gaël. Oui, disons que alors sur la forme des demi-finales, je vois bien sûr Echevarria, mais aussi la cote le dit. Mais bon, 1,80, j'aime pas trop ce genre de cote pour un outright. Ouais. Bon, donc, c'est pas trop mon kiff. Donc, je vais plutôt aller voir les belles cotes et aller un peu vibrer sur le champion du monde en titre. Donc, je pense qu'il... Fais confiance à l'expérience. C'est quand même un champion du monde. Je me dis, à 8, c'est pas mal quand même. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup dans la discipline où les champions du monde sont à 8. Ouais. Donc, je me suis dit ça. Du côté du parieur masqué, on est parti sur Montclair à 19. Alors, pourquoi cette cote ? On va découvrir ça avec vous. Je vais découvrir ça avec vous. Oui, le parieur masqué, c'est un parieur qui fera son apparition, peut-être, je l'espère. Il est un peu facétieux. Il aime bien rigoler. T'as raison, le gros, de me corriger. Gani, il n'est plus à la DTN, il est directeur de l'INSEP maintenant. Hop là. T'as complètement raison. Petite enveloppe sous-scellée. Attention. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis aujourd'hui ? Le parieur masqué, Tobias Montclair, à 19.
Que fait-on dans un concours de saut en longueur? On monte en l'air. Le suédois s'appelle Monte l'air. Si en 2021, vous croyez encore aux coïncidences, je ne peux rien faire pour vous. Convaincu, ouais. Yanni? Pas vraiment, mais... C'est pas sa pire. Ouais. Oui, c'est pas sa pire. Okay. Il remonte le niveau par rapport à hier, où je l'avais trouvé particulièrement décevant. Allez, on va passer aux Français à suivre demain. Ça se passe dans Cocorico. Bon, ça fait rire le chat quand même. Hein. Je vois notamment Bravo Nadir, qui aime bien ce genre de petites vannes. Les Français à suivre, tiens, on va mettre le petit tableau. J'ai pas tout mis. Il y a un Français en finale du 3000 mètres steeple. Je crois que je l'ai enlevé au profit d'Aïd Saïd en anneau, puisque c'est une plus grosse chance de médaille. Désolé pour le Français en steeple, mais c'est vrai, je crois qu'il n'était pas du tout. Favo, il était défavo. Ouais, on peut le dire. Défavo, ouais, c'est l'inverse. Ouais, c'était une côte à la Ocon, voilà. Les Français à suivre, dans les sports co, tiens, Tidiani, justement, on parlait tout à l'heure du côté des femmes, basket et volley, il y a deux nouveaux matchs à jouer. Ouais, avec un France-USA à 6h40 demain matin, et ça peut être le match un peu bascule. Alors, là, pour le moment, les Bleus, elles sont à une victoire, une défaite. Malheureusement, elles traînent un peu comme un boulet leur défaite initiale contre le Japon. Elles sont bien reprises contre le Nigeria ensuite. Elles ont mis une bonne diff, je crois. Elles ont mis quasiment 20 points, si ce n'est plus, aux Nigérianes. Du coup, là, pour vous la faire simple, si le Nigeria bat le Japon, les Bleus seront qualifiés avant même leur match contre les États-Unis. Par contre, si le Japon gagne, ça risque de se jouer à la différence de points. Et donc, c'est là que le match contre les États-Unis prendra de l'importance, parce que du coup, il faudra... Bon, on espère qu'elles puissent les accrocher, voire les battre. Mais a priori, ça risque quand même d'être compliqué. Et si jamais il y a défaite, il faudra essayer de limiter la casse en termes de points, parce que elles joueront du coup une place de meilleur troisième. Et tous les troisièmes ne passant pas, bah, ça jouera très certainement à la différence de points. France-Brésil, France-États-Unis. D'ailleurs, je crois qu'il y a une cote boostée sur France-États-Unis en basket. Ouais. On va l'afficher, ouais. C'est possible. Il y a plusieurs codes boostés d'ailleurs. Tiens, avant de revenir sur le programme, on va les annoncer d'ici demain. Donc, c'est une cote un peu spéciale qui sort un peu de l'ordinaire. Soit la France vainqueur, match nul, ou la France perd de moins de 12 points. Parce qu'on le sait, les États-Unis sont favorites, bien entendu, face à la France. Ça, ça englobe victoire de la France, nul ou défaite. Oui, voilà, que la France ne perd pas par plus de 11 points d'écart. Voilà, ce qui correspond. Donc ça va un peu dans la logique de ton analyse pour se qualifier. Donc c'est une cote cocorico, quoi. Donc, voilà, cote à 2,60 pour cette cote boostée. D'autres Français à suivre, on le disait tout à l'heure, canoë-kayak. Oui, mais d'abord peut-être un point sur le hand aussi. Alors tu l'as pas mis. J'ai pas mis le hand, ouais. Comment ça se fait? Pourtant, c'est en France. C'est honteux, c'est que j'ai oublié. Non, c'est France-Brésil, mais en fait. Ah non, t'as mis volet. J'ai mis volet en pardon. Non, je m'excuse auprès de moi-même. C'est dimanche. C'est pas du volet, oui. 4 heures du matin. Oui, je me disais, il y a un problème. Ouais, je me voyais voler. Non, le France-Brésil, c'était chez les hommes et c'était la nuit dernière. Non, là, il y a pression aussi. Là, pour le coup, il y a vraiment pression parce que pour le moment, le bilan, c'est une victoire, un nul, deux défaites pour les filles. Avec ce nul un petit peu amer contre la Suède et ce penalty raté à la toute dernière seconde qui à l'arrivée risque de peser très très lourd, et du coup là tu te retrouves quasiment avec un match sous forme de huitième de finale face aux brésiliennes. Victoire impérative simplement, sinon c'est la porte, et ce serait quand même une grosse désillusion pour les filles qui alignent quand même les podiums depuis une bonne décennie maintenant du côté du handball. Et bon, alors, elles étaient dans une poule très compliquée, il faut le dire. Mais voilà, il y a encore une chance de passer, il faut la saisir. Clément, petite cote boostée là encore, sur le hand. On va l'afficher, la cote. Je l'ai préparée, j'espère que je ne me suis pas trompé, que je n'ai pas mis volet, du coup. Handball, France-Brésil. France vainqueur et plus de 52,5 buts. Victoire impérative. Donc, cote boostée. Oui, voilà, on a boosté ça parce que voilà, on veut que la France passe. Que la France arrive à accrocher un podium au moins, ça serait quand même un bon résultat vu le contexte du groupe. Et voilà, on espère que battre le Brésil ou que fera peut-être un match nul. Mais bon, après, il y a tellement de cas. Il ne faut pas calculer, c'est un huitième de finale. Une petite préférence. Il faut se mettre en confiance pour la suite de la compétition. Et puis, de toute façon, maintenant, il n'y aura plus que des matchs durs. Puisque si tu sors, si tu passes, ta position dans la poule fait que tu vas toucher un adversaire qui sera plutôt bien placé dans l'autre poule. Donc voilà, là maintenant, de toute façon, c'est
que de la grosse adversité. Et de toute façon, à l'image de ce tournoi, où tu n'auras eu quasiment aucun match facile pour les filles. J'ai envie de te dire presque qu'en termes d'adversité, le match contre le Brésil, c'est presque l'un des plus faciles pour les filles. Hein. Elles ont eu la Suède, elles ont eu l'Espagne, elles ont eu la Russie. Enfin, c'est des mastodontes. Donc, si elles passent en quart, en demi, et souhaitons-le en finale, elles auront là encore du lourd. Donc là, ce soir, pas le droit à l'erreur. Faut qu'elles aillent chercher la victoire. Une petite préférence, Tidiani, entre les deux codes boostés, là, celle du basket et du hand, tu prendras laquelle? Allez, je vais croire à celle du hand. Du hand plutôt. Ouais allez. Pareil. Toi, Clément, ouais, vous préférez celle du hand. Faut pas faire de calcul, faut y aller. Ouais. Ok, on rappelle. Les États-Unis, bon. Parce que ce sont les mêmes cotes, hein, du coup, les cotes boostées, là. 2,60 des deux côtés, hand ou basket. Vous pouvez miser jusqu'à 50 euros dessus. Ne pariez pas au-dessus de vos moyens, bien entendu. Mais vous êtes adultes. Ceux qui nous regardent le savent. Je sais, ils sont tous très conscients de tout ça. Autre sport, autre chance de médaille. On a quoi? Alors, tiens, on va afficher le programme. On a pas mal de canot-kayak, justement, là. K1, K1, K2. Est-ce qu'on a des chances de médaille dans ces disciplines? Vraiment? Bonne question. Je suis pas assez spécialiste. Je vais pas te mentir. Moi non plus, c'est vrai que. Est-ce que les codes sont sortis? Est-ce qu'elles n'étaient pas sorties tout à l'heure? Non, pas encore. On m'a dit qu'elles sortiront d'ici ce soir. Comme un Becker, on va les sortir bientôt. Ouais. Donc, voilà. Faut rester dans le. On verra ce que ça donne au niveau des. En tout cas, le petit France-Chine en tennis de table, il peut être excitant aussi. Ouais, mais les Chinois, ils sont abattus. Oui, mais justement, c'est comme un France-Nouvelle-Zélande, un France-Brésil en. Un France-Nouvelle-Zélande en rugby, un France-Brésil en foot, c'est toujours excitant d'aller te confronter aux meilleurs. On a dans l'équipe de Chine, je crois, Malong, qui est le premier pongiste à enchaîner deux titres olympiques de suite. Voilà, tu te confrontes aux meilleurs, c'est excitant. Je suis pas sûr, mais je pense que du côté des hommes, tu dois avoir Emmanuel Lebasson et Simon Gauzy qui forment l'équipe et qui sont des super pongistes. C'est pas leur premier jeu. Voilà, ils sont. Et puis, souhaitons qu'ils soient capables au moins de nous donner le petit frisson, quoi. S'ils perdent face aux Chinois, on passera l'éponge. Volontiers. En tennis volontiers. Plus de chances peut-être pour les femmes face au Singapour. À Singapour, pardon. Ouais, je t'avoue que là, pour le coup, je connais pas le niveau des filles. Ni des Singapouriennes, ni des Français. On va parler de ce qu'on connaît peut-être un peu plus, des vraies chances de médailles. L'anneau. Ouais. Aïd Saïd, Tidiani, tu voulais en parler justement de cette chance. Oui, parce que c'est une des belles histoires. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ce partage du titre à la hauteur homme avec Barchim et comment s'appelle l'italien déjà Moi, je suis pas le seigneur des anneaux. Ah, j'ai son nom, si le nom dans le chat qui me le rappelle. Mais du coup, on a eu cette belle image avec l'Italien qui lui avait eu une grosse fracture sur une compétition. Tambéry, voilà. Merci le gros du 12. Tambéry qui a partagé l'or avec Barchim et qui revient d'une très très grosse blessure. Bah là, c'est un peu pareil pour Samir Aït Saïd. On a encore en tête cette image effroyable de Rio où il se fait cette double fracture tibia péronée et depuis il est en mission quoi. C'est-à-dire que le mec on lui avait à peine posé un plâtre qu'il était déjà en train de dire moi je reviendrai dans 4 ans à Tokyo et j'irai chercher une médaille olympique et là il met tout en œuvre pour s'accrocher à ce rêve-là, il a une personnalité incroyable, très hyperactive comme ça voilà, enfin moi j'ai envie d'y croire, d'autant plus que sur les qualifications il s'est plutôt bien comporté, troisième du des qualifications, donc il y a une vraie chance de médaille pour Samir Aït Saïd. Ce sera ton highlight peut-être au niveau français, toi. Pense, ouais. Après c'est demain matin, c'est à 10h. Oula. Donc on n'est même pas obligé de veiller pour regarder, mais oui, on lui souhaite, puisque ça ferait partie quand même des belles histoires de ces jeux. Et puis dernière, une autre cote boostée, c'est sur la lutte avec Larocque. Rien à voir avec Michel Larocque. Hein. Kumba. C'est Kumba Larocque. Victoire à 11, elle n'est pas favorite. Hein. La française, c'est dans la catégorie moins de 68 kilos. C'est une belle cote boostée, mais c'est vrai qu'elle a peu de chances de gagner, on ne va pas se mentir. Là. Bah, côte déjà à la base, elle est à 8,50. Ouais, c'est clairement. Elle est quoi, quatrième favorite, un truc comme ça, quatrième ou cinquième favorite, il me semble. Ouais. Comment ça se passe la lutte? Moi, c'est une discipline que je regarde jamais. Ouais. C'est quoi? C'est dans le truc en art de cercle. Pourtant, il y a eu les frères Guénaud en France qui ont un petit peu mis en valeur cette discipline à l'époque.
C'est beaucoup de force. C'est voilà, on parlait tout à l'heure des épreuves un peu emblématiques des Jeux Olympiques. Là, on est en plein dedans. C'est vrai que c'est pas le genre d'épreuve moi que je suis. Hein. Donc, bah, ces épreuves que tu suis ponctuellement quand il y a les Jeux, quoi. Ou quand il y a des Français qui font des performances, quand les Fragueno à l'époque. C'est vrai. Donc, voilà pour les Français à suivre. On va remettre une dernière fois le tableau des Français à suivre, notamment sur les sports co, on l'a dit, avec France-États-Unis en basket, France-Brésil en volant. Et le tir aussi, visiblement, il y a des chances de médaille. Le tir rapide, ça, c'est ce genre de discipline, ça peut être marrant à suivre aussi. Oui, parce que c'est spectaculaire, c'est rythmé. Voilà, pour la liste, c'est pas le programme le plus foufou, mais il y a quand même pas mal de Français à suivre. Oui, et puis de toute façon, là, on en rentre dans une semaine où... Ça va être dur, les 40 médailles. Hein. Là, niveau français... Je pense que c'est le futur, on va pas se mentir. Les 40, je pense que oui. Là, il faut plutôt voir si on peut taper les 30, 35, comme nous, on avait évoqué en preview de ces JO. C'est vrai, on verra. Semblait un objectif beaucoup plus en adéquation avec les moyens français du moment. Allez, c'est l'heure de retrouver Clément Etidiani sur le ring. Et c'est pour vous le moment peut-être de remporter un petit free bet pour parier sur les Jeux Olympiques ou sur le foot, il y a du foot ce soir. Il y a une grosse cote boostée d'ailleurs, je crois. Ouais. Je l'ai pas affiché. PSG Lille, trophée des champions. PSG Lille, c'est quoi la grosse cote boostée du soir? Alors c'est Mauro Icardi au Brighton, buteur dans la passe de 1,70 à 2,50. Ils sont titulaires, j'espère quand même. Non, ils ont Icardi, je pense. Oui, ils sont titulaires. Grosse cote boostée, jusqu'à 10 euros maximum. C'est à 21h le match, c'est ça? 20h. Ça commence à 10 minutes. Dépêchez-vous. Sur Amazon Prime. Exactement. Premier match diffusé sur Amazon Prime. Heureusement que je suis abonné. Non, mais il faut être à Amazon. Il faut être doublement abonné. Exactement. Prime Foot, c'est le double abonnement. Quiz sur le canoë kayak, c'est le moment pour vous, je le disais, de remporter peut-être un free bet. Vous tapez point d'exclamation quiz espace team Tidiani ou espace team Clément, peut-être pour tenter le coup avec Clementino, le trader italien le plus sexy du réseau. Des free bets à 10 euros, canoë kayak, c'est parti. Je retrouve mon petit quiz, la petite musique. Merci d'ailleurs à la régie, Alex et Loïc qui nous accompagnent aujourd'hui. Question de rapidité, Clément et Tidiani, vous êtes prêts? Quelle est la nation la plus médaillée de l'histoire du canoë kayak? Non. Slovaquie. Non. République tchèque. Non. États-Unis. Non. Russie. Canada. Non. Grande-Bretagne. Non. Ils vont me faire tous les pays. Allemagne. Allemagne. Ouais. Un point pour Tidiani. Quel est le prénom du frère de Tony Estanguet, lui aussi médaillé olympique? Oula. Philippe. Albert. Non. On est dans cette range. Michel. C'est pas mal. Non. Benjamin. Non, mais c'est un vrai, c'est pas un troll. Médaillé olympique en canoë kayak également. C'était à Atlanta, je crois. Si je dis pas de bêtises. Julien. Non. Tiens, dans le chat, il y en a qu'on trouvait. Ils sont forts dans le chat. Non, franchement, moi, je le trouverai pas. Allez, si, je veux des réponses là, les gars. Ah non, mais on faut être joueur. On va pas faire. T'imagines combien y a de prénoms français qu'on peut citer? Corentin. Non. Julien. Non. Allez, ça commence par un P. Patrick. Pierre. Non. Paul. Non. Pierrick. Non. Ah, vous avez trouvé par un P. Hein. C'est un homme, c'est son frère. Hein. C'est pas Patrick, c'est pas Pierre. Pascal. Non. C'est pas Pascal. Ah, il y en a un que vous avez oublié. Il y avait un sportif qui était connu avec ce prénom, un autre, dans une autre discipline qui n'a rien à voir. Allez, trouvez. Pierre-André. Non. Pas composé. Hein. On a dit Pierre, Pascal, Patrick. Ils sont nuls, putain. Attends, on a fait le tiercé, là, des plus communs. Par un P. Ouais. Deuxième lettre, un A. On va y arriver. Non. P, A. Ah, tu vas pas m'obliger à appeler le prénom. On en est là. Motus, c'est bon. On va pas trouver. Bah si. Non, vous voulez pas. Bah franchement. Patrice. T'as dit Patrick. Mais non, mais vous avez dit Patrick, vous dites pas Patrice. C'est vrai, Madrigone, on a oublié Paul. T'as raison. Non, ils ont dit aussi Paul, vous l'avez dit. Ah, tu l'as dit. On avait fait tous les prénoms. Tidiani, t'as un point. Tu choisis. Est-ce que tu prends ou tu laisses la main? Oui, je prends. Vrai ou faux? Un canoë de taille moyenne mesure environ 3 mètres. C'est vrai. C'est faux.
C'est plus mesure, petit. C'est plus grand. C'est 5 grand. Mètres en moyenne. Vrai ou faux, Clément? Oh, t'as la pression, je vois ton regard apeuré. Tony Estanguet était le porte-drapeau tricolore lors des JO 2008. C'était pas Londres, moi je dirais faux. Si, c'est vrai. C'était bien lui le porte-drapeau. Non, non, c'était... j'aurais fait comme lui. Ah ouais? J'aurais ouais, dit c'est que c'est... Pas... Parce qu'en plus, te connaissant, t'es capable d'essayer d'enfler, tu vois, les participants ouais, comme ça. Genre, ouais. On sait tous qu'il a été porte-drapeau, drapeau, oui, mais l'année... Pas, ouais. Vrai ou faux? Ça va finir à 1-0, cette histoire. Attends, ils me font douter dans le chat. Ils me font douter, ces tchèques. Ouais. Mais non, c'était bien. Je dis pas le... C'était bien en 2008. Vérifie. On va vérifier. Ouais, ouais. Attends, on va vérifier. Ouais. Du coup, est-ce que c'est important? C'est important. La VAR. Ouais. Ils me font douter, ces tchèques. Je peux me tromper aussi dans les questions. Bah, c'est pas grave, on passe à la question suivante. Non, 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 non. On va vérifier, on va lui réaccorde. On a le temps, on lui donne le point après si jamais non. C'est bon. 2008, ouais, Tony Estanguet, t'as raison. Et c'était voilà. Laura Flessel en 2012. Voilà. Voilà. Le chat qui se trompe, c'est terrible. Voilà. C'était bien 2008. Du coup, vrai ou faux ouais. Pour toi, t'en as un de plus, Tidiani. Ouais. Birgit Fischer ouais. Est l'une des athlètes les plus médaillées de l'histoire du canoë-kayak. Bah, étant donné que tu m'as posé une question sur l'Allemagne et que Fischer me permet quand même d'être un nom un peu allemand, je vais te dire que oui. C'est bien. J'aurais pu te troll aussi mettre ouais. Un nom Fisch, poisson, mmh. Poisson comme un poisson dans l'eau, en canoë-kayak, mais c'est vrai. C'est bien Birgit c'est Fischer. C'est cadeau, ça. C'est cadeau. Et du coup, ça fait 2-0. C'est pas fini, Clément. Tu peux encore récupérer. C'est jamais hein, tu peux encore te refaire. Avec le au plus près. Et du coup, ah, tu vas commencer. Ça, c'est bien, ça. C'est marrant ça. Au plus près, combien y a-t-il d'épreuves de canoë-kayak aux Jeux Olympiques? Total d'épreuves différentes. Hein. Donc, en dissociant hommes et femmes? Oui, oui, en dissociant. Donc, par exemple, en kayak, quand il y a hommes et femmes, on compte deux. C'est ça. Ok. Combien d'épreuves au total au JO pour le canoë-kayak? 8. 8 pour Clément. 7. 7, il y en a 16. Wow. 16 ah, ouais. Épreuves ouais. Au JO. Ouais. Un point. Et attention! Dernière question, tu peux égaliser et faire gagner des free bets comme ça, plus de free bets. Voilà. Que, ça récompenserait ceux qui ont voté pour toi. Ou pour Tidiani? Ils vont espérer que je me couche dans le chat. Comme ça, il y a deux fois plus non, de free bets. Non, 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 faut être intègre. Mais c'est bien pas sûr, ceux qui me connaissent savent que je ne le Mes ferai questions pas. Mes questions préférées, la question spéciale Décathlon. Vas-y. Combien Tidiani, au plus près, quel est le prix du canoë-kayak rigide le moins cher à Décathlon? Canoë-kayak rigide, pas gonflable. Ouais, donc un vrai truc où tu peux aller faire des compètes, quoi. Le truc où tu peux pas le ranger dans ton coffre comme ça facilement, toi. Je vais dire 270 euros. 270 euros, le juste prix. Ouais. Clément, combien pour un canoë? 399,99. 399, eh bien, il n'y a pas de juste prix. Mais il y a un gagnant. Ce sera Tidiani, bravo, 295 euros. Ah ouais, j'étais pas loin. T'étais pas loin. Bravo, Tidiani, 295 euros. C'est excellent, ça. Moi, j'aime beaucoup. T'aimes bien les questions, ouais, ça t'aime bien, ça. Le juste prix, ça m'éclate. Ouais, c'est pas mal. C'est un jeu que je regardais tout le temps. C'était serré. Ouais, oui, oui. Enfin, serré, c'est vite fait, c'est vidé. Hein. Faut que tu prennes le pli. Si, ça a été serré. Voilà, tu sais comment sont les quiz maintenant. On va se retrouver demain. Voilà. Hein? Tu sais que demain, faut feuilleter le catalogue voilà, des 4 tu regardes les sports. Tu regardes les sports un peu pourris. Voilà. Voilà. Merci Tidiani, merci Clément. On se retrouve. Merci à toi, Christophe. Merci demain, Winami. À 19h. Un grand merci à vous dans le chat sur YouTube. YouTube, n'hésitez pas à liker, bien sûr, l'émission. Un petit pouce en l'air. Bien entendu, sur Twitch, on vous remercie malgré les commentaires un peu désagréables de certains. Mais c'est pas grave, il y a des cons partout. Et puis merci à vous sur winamax.tv de votre fidélité. Je vais pas citer vos prénoms, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le chat ou sur Discord. On se retrouve demain. Restez avec nous, mais revenez plutôt dans une heure parce qu'il y aura du poker. Ce sera Big Zoo Wap avec Ponce P. Ciao les gars.